C'est parti pour un tour de piste de ce magnifique circuit de Mayenne, avec une longue ligne droite de départ tout en asphalte, où on arrive sur un très très gros freinage bosselé. Le virage 1 toujours en asphalte, avec la sortie sur la terre jusqu'au virage 2. Le virage 2 est très délicat parce que le grip est très précaire, donc assez glissant et difficile de trouver de la motricité. Ensuite, on sort sur la plus longue ligne droite du circuit, où on a la possibilité d'aller dans le tour joker à gauche ou le tracé principal tout droit. Le virage 3 qui se referme en sortie et qui est très important pour l'enfilade droite-gauche-droite de Mayenne, très typique du circuit, où l'enchaînement est assez sympa avec du rythme. On arrive sur un long virage à droite en descente. Ensuite, on arrive sur le virage à gauche en escargot, qui permet une longue sortie en remontée, très spectaculaire, avec des dérives des quatre roues le long du rail, assez sympa pour le public juste avant la ligne d'arrivée.